Voilà, ça en fait encore trois livres de Lucas Taïeb qu'on fait, trois de plus de livres de Lucas Taïeb qu'on fait. Pourquoi on n'arrête pas d'en faire des livres de Lucas Taïeb? Pourquoi on les fait tous, tous ceux qu'on peut, les livres de Lucas Taïeb? Bah parce que personne ne les fait. Personne ne les fait, ces bouquins, Lucas Taïeb, personne. Et pourquoi? Pourquoi personne ne les fait? Bah ça, je comprends pas. Je comprends pas du tout. Nous, à PCCBA, on comprend pas du tout. C'est complètement ahurissant, personne ne les fait. Lucas Taïeb, c'est beau. Lucas Taïeb, c'est drôle à tuer des chiens, c'est drôle à scier des Parthénons, c'est drôle à vider la mer, et c'est beau. C'est beau, c'est mal foutu, c'est le plus beau mal foutu du monde. C'est le mal foutu étalon qui devrait faire rougir de jalousie tous ceux qui essayent de mal foutre et qui n'y arrivent pas, qui arriveront jamais, qui seront toujours des amateurs de mal foutage à côté de Lucas Taïeb, des petits misérables. Lucas Taïeb, c'est contagieux, c'est intelligent, ça vous rend tellement intelligent que ça vous fait peur, ça vous fait tellement peur qu'il faut très très vite lire toutes vos autres bandes dessinées habituelles pour redevenir con comme avant, pour avoir d'excellentes raisons de relire du Lucas Taïeb. Là, c'est les trois livres d'avant les trois prochains. C'est La Mission, un récit d'espionnage, mais pas tellement. C'est Merci de votre attention. Et puis c'est la suite qui suit rien du tout. Encore merci de votre attention. C'est des tas de récits d'une page qui n'ont rien à voir entre eux, ni avec quoi que ce soit d'autre, de vivant ou de mort, parce que c'est du Lucas Taïeb. Et que Lucas Taïeb, ça arrivera qu'une fois dans l'histoire de l'humanité. On peut s'en réjouir, on peut s'en affliger, mais c'est comme ça. Et ça fait donc trois bonnes raisons de lire Lucas Taïeb et de vite mourir après, parce que la suite, ça sera forcément décevant. Que pensez-vous de Lucas Taïeb? Il est extrême, il sait pas dessiner, il nous fait chier. Il est extrême, il sait pas dessiner, il nous fait chier. Il est extrême, il sait pas dessiner, il nous fait chier. Il est extrême, il sait pas dessiner, il nous fait chier.